Salut à tous, c'est Goku la chaise, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay au Shito, donc char moyen japonais. Je les confonds avec les chinois aussi. Bon, je préfère rien dire, confondre les chars japonais et chinois, c'est un peu comme confondre un chinois avec un japonais. Bon, il y en a peut-être qui vont encore me contredire, qui se ressemblent pas vraiment, mais bon. Donc le Shito, c'est un char moyen, même si je l'aurais classé dans les légers, hein, parce que son blindage n'est pas vraiment. Bon, c'est pas le top du top, hein, le blindage. La cadence de tir et le gun, hein, ça fait à peu près du 130. Ça peut peut-être aller jusqu'à du 150, mais c'est assez rare. La précision est pas trop mauvaise. Le temps de rechargement, c'est ça qui est. Bon, bah, c'est ça le petit bonus. Hein. Du 3,60. 64 ou 54, mais je crois que c'est 64. Donc, vous allez voir, sans trop viser, hein, voilà, j'arrive à toucher, donc il a quand même une bonne petite précision. Donc là, oui, c'est un petit peu dangereux ce que je fais. Je rasais un petit peu vraiment le plus au bord possible pour pas trop me faire spotter, mais bon. C'est voilà, donc un PZ38 qui arrive à me percer, hein, c'est pas étonnant. Donc voilà, donc à partir de là, c'est bon. Je suis passé. Maintenant, je vais plus essayer de tirer un peu. Donc je vois le KV1, donc voilà du 334. Et là, vous avez vu un tir qui a pas percé ou qui a ricoché. Donc, allez, voilà, c'est le blindage magique. Le KV1S, enfin non, KV1S, plutôt KV1, je les confonds. D'ailleurs, le KV1 n'existera plus, je crois. Parce que le KV1S, je crois que ça va devenir un tier 5, je crois. Je suis plus sûr, je ne me suis pas très bien renseigné. Je sais simplement que le KV1S n'existera plus vraiment, en fait. Hein. Ça, il n'aura plus le même canon, ça sera plus. Le meilleur tier 6, ça sera le ARL44 en fait qui prendra le relais en fait, je pense. Hein. C'est lui qui prendra la succession du meilleur tier 6. Après le KV1S actuellement, c'était le ARL44, mais comme il n'y aura plus le KV1S, ça sera le ARL44. Je sais, je me répète. Voilà, donc ça ne sera plus un danger, hein, parce que du 400, c'est vrai que c'était. Autant pour celui qui le joue, c'est cheaté, mais pour celui qui reçoit les obus. C'est aussi cheaté, mais pas du même côté. Je fais attention, je vérifie bien qu'il n'y ait pas. Voilà, donc je vois le KV1. Donc voilà, l'obus n'a pas vraiment atterri où je voulais. En fait, je voulais plus tirer dans les flancs, chenilles, mais l'obus a atterri sur la tourelle. Mais vous allez voir un truc, c'est que le machin, il va revenir. Il savait que je visais, il savait que dès qu'il passerait, je tiendrais. Ça fait toujours un kill, hein, c'est toujours ça, moi je m'en fous. Donc maintenant je vais plus aller sur le côté, sur le milieu là, en bas. Donc je fais quand même attention à ce que j'envoyais plus vers leur base. Hop, voilà, donc là ça fait peur déjà. Et donc là on dirait que ça fait KV1S, on dirait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait KV1S. Mais en fait c'est le. Ça doit être un KV en fait. Je crois que c'est. Bah non, le KV il était là. En fait. Bah, je sais plus en fait. On aurait dit KV1S, mais en fait c'est pas un KV1S, c'est un T150 et un M6. Donc vous allez même d'ailleurs voir que je vais me confronter à un T1 Heavy. Donc il y avait quelqu'un qui avait posé la question pourquoi on critique beaucoup le T1 Heavy, pourquoi qu'on dit qu'il est nul. Moi je dirais pas vraiment qu'il est nul. Il est un. Bon. Moi je dirais qu'on pourrait peut-être le jouer un petit peu comme comme le Shito en fait, hein. Il fait à peu près les mêmes dégâts. Après la cadence de tir, je pense qu'il doit recharger un petit peu moins rapidement. Le blindage est peut-être un petit peu plus il est peut-être un petit peu plus puissant, un petit peu plus renforcé. Après si vous me demandez la différence entre le T1 Heavy et le M6, je me suis pas vraiment beaucoup attardé sur ces chars là, ça fait un siècle que je les ai joués. Mais à première vue, comme ça, je donnerais aucune différence. Peut-être que le canon et un petit peu le blindage qui change, mais il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc vous voyez quand même que le terrain heavy a quand même. Bon,
C'est pas quand même le blindage du siècle. Donc là, c'est ce qui m'étonne. Pourtant, je tirais vraiment pile poil au bon endroit. Mais j'arrive pas à l'avoir, en fait. Voilà, je sais pas. C'est peut-être ma précision, en fait, qui n'est pas si précise que ça. Donc je me suis dit, allez hop, autant faire des dégâts, je vais m'attarder sur lui. Voilà, donc c'est sa précision, en fait, de loin, j'ai l'impression, sans vraiment viser, elle est bonne. Mais pour viser un point très stratégique, c'est plus le même truc. Donc là, vous voyez que j'arrive même à ricocher sur les côtés du T500. Enfin, en fait, si c'est T150. Donc en fait, celui qui était de l'autre côté avec le M6, c'était le KV1. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est ici qu'il faut tirer pour lui foutre le feu. J'ai cru qu'il y avait un KV1S, mais en fait, c'était le KV avec le S85, un truc comme ça. Donc, les résultats. Alors, que je retrouve les screenshots. Screenshot, hein, vous fatiguez pas à mettre dans les commentaires, je sais pas le prononcer, hein, c'est moi en fait qui troll le mot. Donc, as de char, hein, donc déjà la première raison du replay. Ensuite, 26 116 de crédit et 2528 d'expérience pour la première victoire, hein, x2. Gros calibre. Et alors, la surprise, mur d'acier. Voilà, mur d'acier pour un Shido, c'est quand même assez rare. Je l'ai eu une fois encore, je l'avais eu aussi une autre fois aussi, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est plus en montrant sa tourelle. Pourtant, la tourelle n'est pas plus blindée que la caisse, mais voilà, c'est peut-être plus anglais. Voilà, il y a peut-être moins de. Pourtant, le petit hublot, comme. Bah, le point faible, hein, un peu comme tous les chars, comme le KV1S, le T29, le T110 et compagnie. Mais voilà, je sais pas, il est. Bon, le Chery est beaucoup plus accessible. Hein. Le Shito, le petit hublot, est quand même plus aplati que le Chery. Mais ouais, voilà, bah, allez chercher à comprendre, ouais, un mur d'acier. Ensuite, les dégâts, donc 1879 de dégâts. Donc, bah, c'est moi qui ai fait le plus de dégâts de la partie. 4 kills et 1264 d'expérience si j'avais pas eu le x2. Et donc, quand on regarde bien, bah, les autres, hein, n'ont pas fait grand-chose, surtout les ennemis. De mon côté, le TOG a quand même fait un bon petit truc. Le grill pour une artie, bon, 1000, bon. Après, peut-être qu'il s'était pas très bien positionné, tout ça. Et vous pourrez voir aussi que, bah, en fait, c'est le T1 Heavy, en fait, qui a. Bon, c'est pas très, hein, flagrant, mais c'est lui qui a fait le plus de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des dégâts avec le M6, mais l'expérience, il y a une petite différence, donc voilà. Vous voyez que le T1 Heavy, c'est mieux démerdé que le M6, même s'il n'y a pas grand-chose de différence. Et au niveau des coups, donc 31 tirs, donc vous vous rendez compte, 31 tirs. La bataille, elle a commencé 5, en, la bataille, elle a duré 5 minutes. 43 secondes, hein, mais ça. Oh. Alors, ça peut peut-être compter parce qu'en 43 secondes, j'en fais des shoots à 3,64 le tir. Ouais, ça peut compter. On compte qu'il y a à peu près 29-30 secondes au début de la partie. Et après, bah, ça commence à peu près dans les 14 minutes et quelques. Et donc, bah, en 5 minutes 43 secondes, j'ai fait 31 tirs. Il y en a 20 qui ont atteint leur cible, mais il n'y en a que 14 qui ont percé. J'ai fait 546 à une distance de 30 mètres. Non, de 300 mètres. Bon, c'est pas non plus. Bon, le Shito et le Shiri, tout ça, je conseille quand même de se planquer parce que si on se fait spotter au début de la bataille, on risque pas d'aller loin. Mais sniper de très très loin, ça risque de pas pénétrer. Il a déjà une pénétration pas très haute, pas très élevée plutôt. Donc si on s'éloigne encore et encore, ça risque d'affaiblir encore plus la pénétration. Les tirs reçus, donc j'en ai reçu 11, il y en a 4 qui ont pénétré, mais il y en a 7 qui n'ont pas pénétré. Donc voilà, le blindage magique, je pense que bah, c'est la tourelle en fait, hein, mais je sais pas trop ce qu'elle a la tourelle. Et ça a bloqué en fait du 600 de points de dégâts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut!